On était à la recherche du manoir Stonehood. Bon alors pour toi, il doit s'être écoulé seulement quelques minutes, ça se trouve, sinon quelques heures, quelques... Voilà. Mais moi, j'ai pas joué depuis au moins une semaine. Donc... Ah oui, c'est vrai. Hey Sherry, there's post here. And it seems as if the letter was delivered recently. Hey Sherry, there's post here. Sherlock, je t'écris avec l'espoir que cette lettre ne te parvienne pas, car sinon cela signifierait que tu réalises l'idée absurde dont tu m'as parlé. Laisse le passé là où il est. Vouloir ainsi dépenser davantage de temps et d'énergie à retracer des pas d'autrui est au mieux un plaisir infantile. Au pire, une faiblesse pathologique. Mourir par décomposition offre un spectacle affreux aux proches. Et il valait mieux pour toi que tu n'y assistes pas, malgré les événements, malgré les véhémentes prestations. Je présume que tu as désormais eu l'occasion de te rendre à la sépulture de notre mère. J'ose espérer que ça a su satisfaire tes impulsions impétueuses et que tu as directement repris le chemin de la route de retour à Londres. Il est temps pour toi de tourner le dos à ce qui a été. Et d'aider à façonner ce qui pourrait être. La nation a besoin de toi, Mycroft. After reading that, I am even less eager to return home than before. Let's investigate our manor. That's the Mycroft I know. Je peux parler parce que je me suis dit ils sont déjà tous les deux en train de causer en même temps. Normalement, avec cette tenue de médecin de la peste, on n'aura pas de problème de texture qui se traverse. À la manière du manteau dans Watch Dogs. Our old manor. It's smaller than I remember. You were a couple of feet shorter back then, Sherry. Or maybe it's bigger on the inside. Je peux pas tourner beaucoup la. Ah voilà. Je sais pas pourquoi ils ont fait en sorte qu'il y ait des phases où je puisse plus bouger comme ça. Eh ben, une grande baraque, hein. C'est limite un manoir, si j'ose dire. Hein. Non, vraiment. Ah, j'ai osé. Why does this barn give me such an unpleasant feeling? Oh, I know. It's because Mycroft used an axe to shoo you out of here. It scarred you for life, but I enjoyed it. D'accord, John. John le glacier. Du coup, ça. Oui, c'est vrai qu'il y a l'électricité. Non, ça fait rien. Je croyais que c'était une plaque de pression. Donc oui, j'ai toujours pas récupéré ma voix, j'ai toujours le nez bouché. Bon bah ça, je pense que tu l'auras remarqué peut-être. The ash all over the door. I don't recall hearing of a fire. We don't have to stay here. You can afford another night or two at the hotel. It's stuck. Oh well, let's just head back. They probably haven't even stripped our room yet. Come on. It must be locked. Move aside. Let me have a go. Seems fine to me, Sherry. This barrier, perhaps it's mental, not physical. Or perhaps the rest of us are simply constrained by reality, John. I wonder if there's a key secreted somewhere in the garden. Take a look around, Sherlock. I'm sure you'll discover something. Et je me dis, est-ce qu'on va pas plutôt enlever le chapeau? Tu vois? Bon, j'aime pas du tout, en fait, je me rends compte que j'aime pas du tout la tête qu'ils ont donnée au personnage. Mais ça donne un truc un peu plus classe. On a l'air d'un seigneur Sith comme ça. Bon, faut trouver la clé dans le jardin, dans le garden. In the garden, there is nothing. Comment tu te tiens là, mec? Ah, tu vas attraper les fruits? C'est un fruit défendu. Hein. Eh ben dis donc. Sacré mise en scène. I did not expect these to still be here. It was enjoyable to practice using real handcuffs to make an arrest. D'accord. An irreplaceable tool for catching a thief. Des trésors. And this must be the reason our suspect was apprehended. Wood and glass, very precious. Tu m'étonnes. Hey, that's Wood and Joe. He was always the best at playing criminals. Funny. Wooden Joe reminds me of the trouble we once got in with the police. Do you remember, John? Somewhat. Maybe we can recall more details.
D'accord. Mais là, ça va juste me faire. Oui, d'accord. C'est ce que je me disais. Donc, on a vu la grange, on a vu Bob de Bois. Là, il n'y a rien, je pense. Je pense bien. On va pas se barrer tout de suite. On peut pas explorer la grange, du coup, j'imagine. Parce que ça aurait été un endroit où cacher la clé, peut-être. Soit. Dans cette vision-là, on peut pas se déplacer plus rapidement. Je sais pas si je l'avais déjà dit dans les épisodes précédents. C'est un petit peu dommage. Là, c'est quand même bizarre que ce soit éclairé ici, non? Ça doit être un des seuls jardins éclairés de cette façon. John m'a demandé d'essayer de me rappeler exactement ce qui s'est produit ce jour-là avec la palissière. A manor all to ourselves. Can you believe it, Sherry? I have so many ideas. Mais pas moi. Ah, voilà. Je me disais bien qu'il fallait utiliser ce truc-là. Le policier. The policeman brought us both home, John. That's why he was here. I'm pretty sure he brought something else with him too. Do you remember what it was? Un bouquet? Non, sûrement pas. I bet it was our reward. No, we were not so lucky. On l'a volé? It was a set of lockpicks that we had used to sneak into someone's house. That's why we were arrested. Did someone come out to investigate all the commotion? It was Mycroft. He smoothed things over and convinced the policeman not to press charges. The officer left and never returned. But we had to endure a serious talking to from my brother. Mycroft wasn't happy about the fact that we were arrested. Mycroft felt like he lectured us for hours. Did we give him something afterwards, Sherry? On lui a donné du papier. Oh, yes. Yes, now I remember. It was a letter. That's why we snuck into the house. Mycroft asked us to. He wasn't angry we stole, but that we got caught. Oh, that's right. John a cette position. It must have been only a couple of months after we moved to Cordona. Oh, the good old days. The good old days. How very odd. It appears that memory stood between me and the manor. It's as if my mind palace had seeped into the real world. This deserves further investigation. Perhaps there's more to discover inside. As long as there is a comfortable place to put my feet up, I'll be happy. Maybe a chaise longue. Ah, oh, maybe a chaise longue. Maybe a chaise longue. Ils aiment trop dire des mots en français. Oh là 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 là, les textures. Oh là 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 là, je viens de faire une bêtise sur mon portable. Oh, punaise, les mecs. C'est terrible. Hein. Parce que si j'ai plus le chrono sous les yeux. Alors. Home sweet home. Hey, this is the luggage we brought from London, isn't it? Peut-être. Tragédie au manoir Stonehood. Madame Violet Holmes, veuve de Sigurd Morland Holmes, est décédée de manière inattendue dans sa demeure hier, le 9 avril 1869. Elle laisse derrière elle ses deux fils, âgés de 20 et 10 ans. Bien que nul ne saurait dire si ceux-ci continueront de résider au manoir de Stonehood, Madame Holmes avait acheté une propriété, la propriété il y a seulement un an. En dépit de la faible constitution de son corps, tant ravagée par la consommation, je sais pas ce que c'est, la consommation,
et c'est peut-être mal traduit, hein. C'est peut-être la consommation, mais je sais pas ce que ça voudrait dire non plus. Madame Holmes a rapidement trouvé sa place au sein de l'élite cardonnaise. Ah, de la consommation. De sa. Non, je sais pas. Cardonnaise. De sa haute vocation, elle possédait en outre l'intuition profonde d'une femme talentueuse, la vigueur d'un homme, la conscience d'une sainte et la vivacité d'esprit d'une satiriste. Satiriste, ok. Véritable spécialiste des objets anciens, elle s'est imposée comme une autorité sur tout ce qui a un trait à l'authenticité des choses. La police a lancé son investigation dès son arrivée au manoir, mais ne va publier aucun autre détail sur l'affaire. La cause du décès est inconnue. Something did happen that day, but no one can tell us the details. How can that be? Agreed. It's rather suspicious. Putain. Une ombre de soleil alors qu'il fait nuit dehors. Si c'est pas dingue ça. Another one. There must be something important behind it. I can feel it. On ira juste après, on va faire la... Oh. Ah non, j'ai cru voir quelque chose. Complètement dingo le mec. Another one. There must be something important behind it. I can feel it. I can feel it. Qu'est-ce que c'est? Il manque quelque chose ici. Il y avait un immense tableau. Ou alors que ça a été cramé. Au choix. Another one. Ouais, bon d'accord. There must be something important behind it. I can feel it. Oh là là les mecs. Vous avez chié sur le miroir. Hein. Littéralement. Ah! I heard footsteps upstairs a second ago. Wait. Do we have an attic here? Je sais pas. Étant donné que je connais pas la maison. C'est quand même dommage qu'ils aient eu la paresse, entre guillemets, de mettre les vitres comme s'il faisait jour dehors, alors que clairement, on est rentré de nuit, quoi. Tu vois, là, on peut même pas aller sur le balcon. Bon, et on va arrêter de relever tout ce qui va pas. Qu'est-ce qu'il y aurait à faire ici? Ah, bah j'avais pas vu ça. Nous avons été mandatés pour organiser une vente aux enchères publiques le 20 juillet au manoir Stonehood. Tous les lots ont été sélectionnés parmi les pièces de la plus haute qualité appartenant à la famille Holmes. Elles ont été évaluées par des experts, leur authenticité est confirmée. Bon, alors je bois un chocolat chaud, ça te dérange pas. De toute façon, même si ça te dérange. And I was wondering why it's so empty in here. There may be a small chance that some of our property could be found among local traders' wares. It is worth a look, wouldn't you say? Vous trouvez aux quatre coins de l'île différents marchands de mobilier. Ok. Ah oui, d'accord, c'est pour refaire le mobilier. Ça se trouve, tout ce qu'on avait, on va le racheter au prix fort. Tac. Hop, ça c'est fait. Ah, on est dans maison vide, du coup. Et là, ce serait pour acheter des biens, peut-être. Palais mental. Document manquant. Toujours cru que mère avait la tuberculose. Croft affirme que c'est ce qui l'a tué. Ok, on n'a pas grand chose non plus. Hein. Et ben voilà. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Hop. C'est bizarre. Hey, this is the luggage we brought from London, isn't it? J'ai pas vu le parapluie. Ça a pas l'air très important en soi. One of the first things I saw when entering this house as a child. It's like déjà vu. Oh, déjà vu? C'est un déjà vu pour vous.
pas imaginé pourquoi. Moi qui n'ai pas bougé de la maison. Je suis Frenchy dans The Boys. Cheveux célèbres. Je spoil pas, mais. Tout de même. Ah, mais il y a plein d'indices. I remember how angry Mycroft was about these marks. He called it a frivolous, childish endeavor. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il fallait le faire dans un ordre particulier? Je dis pas trop beau. On va voir ce qu'il nous dit. Home sweet home, Sherry. Bah ouais, mais du coup on fait quoi? Est-ce qu'on doit acheter du matériel? Tant que je me souviens comment on enlève un marqueur. Ça c'est quoi? Souvenir brisé. Ça on peut l'enlever. Église, place, pont, ouais. Comment on voit la légende? J'ai pas l'impression qu'on puisse. Ça, c'est les marchands. Ok, c'est le truc vert. Vendeur de journaux, c'est pas ça. Ah, c'est là que je veux aller, moi. Vas-y, mets un marqueur. Oh, putain. C'est pas facile tous les jours, hein. Ah, il fait jour. Ah non, ça va. J'ai eu peur qu'il n'y ait plus aucun décor et qu'on tombe dans le vide. De ce fait, on va aller. Allez, moi je veux mettre un marqueur là. Mystère, voilà, on va mettre mystère. C'est par où? Ça a l'air très très loin, mine de rien. Tu veux pas me diriger, toi? On peut aller là? Ah, je peux me voyager rapidement que sur ces points-là. Ok, bon, c'est déjà plus proche. Kiosque aux journaux. Ok. On va essayer d'acheter des furniture. Puis après. Après, j'ai pas d'autre idée en fait. Marchand de vêtements, très bien. Marchand d'art. Landscapes and portraits. Sorry, I have nothing to offer you at present. Quoi, il faut aussi être habillé d'une manière. Make your garden cozier with our goods. My goods will brighten up your house. Hey. Vas-y, j'achète. Enjoy Hop. Your purchase. J'ai tout acheté, hein. Excuse-moi, monsieur. Mon beau, mon brave. Mon chaleureux. On peut voir aussi dans le magasin de vêtements. Donc à faire, on claque un peu les thunes. Comme dans la vraie vie. Dans la vraie vie réelle. The finest clothes for the finest people on the island. The finest clothes for the finest citizens. Ah, j'ai eu peur. J'ai cru qu'il fallait que je me change pour acheter des vêtements. Fais voir un peu les textures. Ah ouais. Ah voilà. Est-ce qu'on a vraiment des tenues qu'on va devoir acheter ou c'est seulement cosmétique? Oh, je vois une veste qui m'a l'air... Oh là là! Ça, c'est très bien, ça. Ça aussi, c'est stylé. Oh là là, ça aussi. Bon, ça... Clairement, il va à la bagarre. Ouais, classique. Pas dingue. Oh,
robe. Ah ouais, d'accord. Ce qui est marrant, c'est que du coup, t'as la tenue qui mettait les boucles d'oreilles avec. Genre. C'est un bonus, quoi. Un truc de marin, ouais. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de tenues qui se ressemblent, hein. Tiens donc. Eh ouais, là, on a même les cheveux attachés. Tu parles d'un bonus. À mon avis, on va avoir besoin de genre ça dans l'histoire. Masque squelettique. Masque chirurgical. Ouais. Bon. Moyennement. Oui, même tu vois, même avec la. Même avec un peu de barbe, il a une tête à claque. Bon. Of course, think it over, take your time. Ouais, ouais, parce qu'il n'y a rien qui m'intéresse dans ta boutique, mon pote. J'aime bien ma tenue actuelle, peut-être que je la changerai un jour. Tout à l'heure. Je sais pas. Il est pas là le mec pour voyager? Comment? Ah, c'est lui. Comment faire? Hop. Ah oui, il n'y a pas plus proche. Bon, vas-y, on va à l'église Saint-Nicolas. À partir de là, on va voir si je sais me repérer dans ce si peu de villes que j'ai en tête. Cet échantillon. Déjà, je pense que c'est pas par là. À vrai dire, à la fin de l'épisode dernier, j'avais pas trouvé. Et puis là, quand j'ai relancé la partie, je me suis... J'ai eu la chance de me retrouver pile devant le manoir. Donc ça fait zizir quand même. J'ai l'impression qu'il faut tout de même se balader à pied pour déverrouiller les points de téléportation. Tu vois. C'est quoi ici? C'est pas mal. On peut pas rentrer. Ça c'est dommage. Pour un open world. Je fais des guillemets avec mes doigts, mais tu peux pas le voir. Salut. Salut. Mec trop bizarre. Ok, on est sur la bonne voie. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, t'es du genre chiant toi. Attends, on va se mettre là. Qu'est-ce que ça? Hop! T'es venu dans le champ. Hein. T'inquiète pas, je prenais pas de photos. C'est pratique. Bien, vous arrosez les plantes. C'est super. Ça, c'est pas ma maison. Je suis dans la bonne route, là? Il est où, mon petit point? Attends. Je vois pas, je suis arrivé d'ici. Ah si, on est là, on est juste en dessous. Eh ben, on prolonge et puis ce sera à droite. Oh, une vieille ruine. Vous m'avez l'air d'une vieille ruine, Watson. Oh, le même vélo. Tiens, tiens. Enfin, j'imagine que il y a pas un seul habitant sur cette île qui a... Qui a un vélo, il doit y en avoir plusieurs. Et là, on remonte par ici. Je vérifie quand même. Ouais, c'est ça. Et là, attends. Parce que là, c'est difficile quand même. C'est pas le petit chemin, c'est le grand. Ok. Et j'ai l'impression qu'en fait il peut y avoir les tenues qu'on avait dans la boutique là, que les PNJ peuvent les avoir aussi. Donc, est-ce qu'on va pas en croiser un avec un masque chirurgical? Bonne question. Alors, on a acheté ça. Garden's much prettier, don't you think? I bet the memories are all flooding back now.
Ouais, le banc est là-bas. Et la statue. Est-ce que vous l'avez mis, ma jolie statue, là? Vous l'aurez pas... Ah, voilà. Voilà pourquoi il y avait une lumière. C'est bien mieux. My mother liked the story of David and Goliath. She said it doesn't matter how small you are, you can always overcome any obstacle. Ouais. Ça c'est un mot que j'avais bien aimé, enfin qui m'avait marqué quand je l'avais appris à l'école, overcome. Ah, the best place for reading. Bon, ça se balance quand même un peu. J'avais un débat il y a un jour ou deux avec mon cousin sur la concentration quand on fait de la lecture. Hey, is anybody at home? Hello? Et moi je disais, mais moi il faut trop de calme et de concentration pour lire, parce que faut vraiment que je m'imprègne de l'histoire. Et lui il était en mode, bah pas forcément, parce que lui en gros il n'arrive pas à lire les livres où c'est que du texte. Il préfère les BD. Donc là-dessus on n'était pas tout à fait d'accord. Alors, maison vide. Restauration de la cour. J'ai réussi à récupérer tous les objets qui se trouvaient dans notre cour avant. Maintenant qu'elles ont été restaurées, certains souvenirs me reviendront peut-être à l'esprit. Tu crois ça? Non, mais moi, ce qui m'embête le plus, c'est que là, dans, je suis en train de vérifier dans la solution. C'est écrit entrée dans la bâtisse. Et sur le pilier à droite, annonce en chair qui débloque le récit, la maison vide. Qui consistera à restaurer la maison en rachetant le mobilier. Observez ensuite la grosse valise bleue, puis ramassez le journal. Vous devriez maintenant avoir débloqué la preuve arrivée à Cardona. Épinglez-la et faites apparaître. Tu vois, ça, moi, je l'ai pas. C'est dans l'enquête L'amour d'une mère. Néanmoins, je ne l'ai pas. Ça ressemble à quoi, l'image ? À une petite boîte de dialogue. Ouais, moi j'ai que retour. À mon avis, c'est ça la plus grosse différence. Je m'y ferai jamais à sa tenue de glacier. Glacius Punch. Et moi j'ai peur d'être bloqué du coup. Souvenir brisé, bah ça c'est bon, non? Ta-ta-ta. Maison vide. Et si je fais ça et que je retourne dans la cour? Peut-être qu'il faut faire ça, hein. Ah, le parapluie. Mycroft's umbrella, the only outgoing thing in his wardrobe. Another memory incoming, Sherry. Strange. I struggle to recall anything. Oh, genre il fallait juste trouver ça. T'es sérieux? Et ben voilà, c'est ça du coup. About the day we moved in. The only detail I'm sure of is that it was raining early that morning. There was always a hat on our stand, but I'm sure it did not belong to Mycroft. Oh wow, ça fait beaucoup de valises. Our mother brought a slew of belongings with her. She refused to leave a single thing in London. Mycroft had to spend the whole day dealing with it. Voilà. Ah, le fauteuil roulant. This trip was a challenge for our mother. I tried to help her. Do you feel it? Is it the air shimmering, or is it my imagination? Qu'est-ce que c'est que ça? Sherlock se met à la prière. Sherlock rate son ramadan. Oh wow! J'avais oublié ces phases-là. Alors, c'est quoi le délire? Et ben là, ouais, ça me paraît pas bête, ça. Dis donc. Ça me paraît pas bête.
et le siège. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Ça va comme ça? Validé. On est parti? On est parti. Your neighbors will be told that Mrs. Holmes is suffering from tuberculosis. It is common to move closer to the sea in such cases. Thank you, Dr. Richter. No, Sherlock, step away from her. Upstairs, go to your room. Lean on me, Mother. Take your time. Actually, I never heard her coughing. I remember now. Hey, tuberculeux, ils tous. Je savais pas. Nous sommes arrivés à l'aube d'un jour pluvieux. La mère de Cher était faible et gardait un équilibre précaire. Et ils ont donc essayé de l'aider. Mycroft prenait la gestion des bagages très au sérieux. Quand il a aperçu Sherlock en train d'aider leur mère, il lui a ordonné de monter dans notre chambre. Ah, du coup, c'est les notes de John, ouais. La dernière personne à arriver était le médecin, Otto Richter, qui a déclaré que les voisins n'auront aucun mal à croire que Violet avait la tuberculose. Cher vient de réaliser qu'il ne l'avait jamais entendu tousser. Ça a tout débloqué. Oh, I feel dizzy. It's stuffy in here, isn't it? John, are you all right? I'll be okay in a minute. How about we find our room in the meantime? C'est pour moi aussi, ça. Alors, notre chambre. Moi, j'aime bien ce salon-là. Tu as peut-être remarqué, hein, j'y retourne à chaque fois. Bon. Souvenir, ça, on vient de le lire, du coup. Palais mental. Hop. Mycroft a menti. Il a dissimulé la vérité sur la mort de notre mère et m'a menti quand il a dit qu'elle était morte de tuberculose. Ok, ça fait déjà un point de fait. Celle-ci, elle a l'air fermée encore. Another one. Ouais. Donc, the bedroom. Look at this. It's like traveling 10 years into the past with a single step. Oddly satisfying. Compilation YouTube Oddly Satisfying. A magnificent tool made for a spurious purpose, staring into the sky. I've definitely found a better use for it. You mean for spying? Oh, these must be the notes of my earliest observations. We wanted to locate a particular dog we'd spotted, and we met it, didn't we? This time I was first to pick beds. This one's mine now. Il y en a qu'un. Pas pratique. Ce n'est pas pratique. Coal dust from Miner's End, sandy dirt from the old city. We scoured the island top to bottom for these soil samples. Samples? The first chemical laboratory I ever made. I almost miss its elegant simplicity. Effectivement. C'est précaire. Ah, la boîte à jouer. Oui. Cannot believe all my toys are still here. Hey, they were not just yours. They were half mine too. An artifact from Palau carved out a bone and claimed to be 300 years old. My mother proved it was a fake. My very favorite plaything. It was the perfect pirate treasure. C'est vrai que c'est pas mal. Oh, it reminds me of our neighbor. He had the same balloon in his yard, only bigger. Do you remember? Yes. We visited him several times while living here. Okay. Je demande mon ami imaginaire, voisin amical. Bien que je n'ai rien sur la mort de mère, je me souviens d'un ami que nous avions à Cardona. Il pourrait m'aider. Carnet d'affaires.
Ouais, ouais. À la recherche d'un ami de la famille. Wasn't that neighbor missing a finger? That does sound vaguely familiar. Wasn't his name Theodore? Theodore Gildon, perhaps? It's the perfect time to investigate. On va. J'ai pas vu ça. Need to repeat this one day, but with bullets. Qu'est-ce que c'est VR? C'est le pote de PNL, mais. Qu'est-ce que tu lis? The only fiction book on my table. I can still hear my mother reading it to me. So many pleasant evenings were spent here with the Encyclopedia Americana. Interesting. What's that over there? Une clé. This doorknob has a cross-shaped end. Too intricate to be merely a handle. You know what? That definitely looks like a key. Let's poke around and see if we can find any secrets. Bah là-dedans, j'imagine. Non, il y a les deux poignées. I'll never forget how challenging it was to obtain this simple sketch. Oh, j'ai Look at this, John. Remember how desperately I wanted to learn the violin? I never had a proper opportunity. Such a shame. I always hated the rule about being silent in this place. Trésor caché. Ah, bah d'accord. J'étais juste à côté en fait. The first chemical laboratory I ever made. I almost miss its elegant simplicity. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. En forme de tri. Nah, j'ai pas soif. It doesn't fit here. Où est-ce que ça irait du coup? Oui, bah c'est là, c'est sûr. Perfect match. My small archive of crime clippings. Maybe I should pick up this habit again. Une pipe. Made of cherry wood. Father's favorite. Made of cherry wood. Father's favorite. Still has a faint odor of tobacco, one of the few things on this island that smell like home. La pipe de ciguier. De ciguier? De cigueur, Holmes. Une petite pipe droite en bois de cerisier qui appartenait autrefois à feu Seeger Holmes, le père de Cher. Nous avons dû la cacher des yeux de Violet, car elle craignait que nous l'avions volée dans son cabinet à Londres. Le bois est vieux et sa surface est abîmée par des années d'usage fréquent, mais elle a bien été entretenue. Une faible odeur de tabac s'en dégage encore. Sherlock a pris la pipe de son père avec lui. J'aperçois qu'elle a pour lui une grande valeur sentimentale. Défi remporté. Oui. Hop. Ça c'est bon. Là on cherche toujours le poteau. Putain, il vit déjà 19h47. Ah ouais. D'accord les mecs. Bon, on y va de nuit du coup. Mais alors j'ai pas fait gaffe si le temps avançait sans notre intervention, ou bien ça avançait uniquement quand on progressait dans l'histoire. Tu vois ce que je veux dire? Bon bah alors, allons-y. On a de la chance, il fait pas encore nuit. Ça va être plus facile pour trouver des indices. Moi j'ai toujours pas réussi à enlever ce point rouge sur la map là. Quoi ça? Ah oui, non, c'est voyage rapide. Ah oui, mais du coup, j'ai même pas besoin d'aller jusqu'au cocher, en fait. Au cocher, oui, j'ai dit. Ah ouais. Voilà, c'était pas dur. Voilà.
la recherche d'un ami de la famille. Je pense que pour le prochain épisode, je changerai de tenue, histoire de varier un petit peu, quoi. Tiens. Who's that? J'ai cru voir le ballon. That wretch Goliath would murder us all. Mark my words. Mark my words. La cour des Guildens. Oi. Oi. Aïe 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 aïe. Il est vraiment horrible, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? A coal gas tank. Enough to pump up an airship. A cashew. A sailor's knife useful for cutting wet and thick ropes. Ça va comme ça? Ou il y a autre chose à voir dessus? A sailor's knife useful for cutting wet and thick ropes. Thick. Thick. Ah. It's seen a lot of use. The blade is worn from grinding. A coal gas tank. Enough to pump up an airship. Gaz de houille. Mais ça, c'est le même. C'est le même indice. Je vais me déplacer jusqu'où là? Ah, bien joué! Fresh signs of impact. A rough landing led to an altercation with this shed. Rien en faire pour l'instant. Pourquoi c'est... Ah oui. J'ai cru que c'était un buisson genre hyper important dans la résolution. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Didn't we get to fly in it as children? I doubt it could hold my weight today. J'imagine. Mais Judd pourrait monter lui. Techniquement. Qu'est-ce qu'il fout? This is quite comfy. Mais non, c'est du sol. Enfin, c'est de la pierre, quoi. Il y a rien de confortable. A royal suite for a favorite pet. Plenty of food to satisfy even the most fastidious. Il avait donc un herbivore. Un hippopotame? Un singe? Un éléphant. Ok. C'est pas bête non plus. A strong pull broke this leash. A pool of blood and saliva, possibly as a result of impact. Aiguillon. Poke the elephant with this. Really? People are hopeless. Sherlock, take a picture of the footprint. It's valuable evidence. This photograph can help us find the old article about the elephants. The front page was fascinating. Ah, ça sert donc à ça les photos. True. We may need it in our investigation. Moi, je croyais que c'était juste pour les vacances. An amount of attention that most can only dream of. Tu m'étonnes. Bon allez, on va aller le voir parce que. Ouf, le pauvre. Contortionist, you were not. Disjointed vertebrae. Difficult to say if it was a way to start or finish him off. Ah. Il y avait un truc. A belt from a dressing gown. Curious. On dirait qu'il s'est fait écraser par son éléphant. Hmm.
Qu'est-ce qui reste? A kneecap reduced to splinters. Des rotules en charpie. On s'en a déjà vu. Disjointed vertebrae. Difficult to say if it was a way to start or finish him off. Ça aussi. Donc on a vu la tête. Truc de robe de chambre. Les rotules. Et... ce caillou, il est bizarre quand même. Disjointed vertebrae. Difficult to say if it was a way to start or finish him off. Chiant. C'est très relou. C'est très relou. Pep. Ça, on l'a vu aussi. A kneecap reduced to splinters. Oui. C'est la même chose pour les deux. Après, il y a ces traces-là. He was certainly under pressure. Waouh. Ça, ça, c'est de la vanne. Hein. Incroyable. Apparemment, il manque rien d'autre. Si la charrette, quand même. Destruction and trampled ground. As if they were struck by a battering ram. I wonder how we managed not to hear any of this. It's as if a storm went through here. Ouais, c'est ça. Destruction and trampled ground. Trampled ground. Yeah, trampled ground. Hog heaven. C'est quoi ça? Ça veut dire que j'ai encore un truc à chercher ici? Oh, ça a l'air d'être là. Mais j'ai pas la clé. Soit dit en passant. Se dit mot passant. Bon, alors lui, ça m'embête parce que... je vois rien d'autre. Ça, c'est les jours, ça, c'est... il y avait un truc, là. Mais ça a compté pour la tête encore, non? Disjointed vertebrae. Difficult to say if it was a way to start or finish him off. Je fais combien de temps de vidéo là? 52 minutes. Bon, je pense qu'on va s'arrêter ici pour cet épisode et puis on prendra la suite très bientôt. Je sais pas, peut-être j'enregistre juste après, on verra bien. À plus.